lorsque le Parti socialiste perd son âme, eh bien finalement, il est battu, il est sanctionné. Lorsque la gauche renie ses valeurs, eh bien elle ouvre la porte à la division, puisque la division de la gauche avec la France insoumise est le fruit justement de ce désamour des classes populaires vis-à-vis du Parti socialiste. Et c'est ainsi que j'explique cette défaite. Jean-Luc Mélenchon a tué le Parti socialiste ? Ah non, je pense que nous nous sommes tués tout seuls et que nous nous sommes fait beaucoup de mal et que nous avons ouvert la voie ainsi à Jean-Luc Mélenchon et à la France insoumise. Mais nous sommes les premiers responsables, le Parti socialiste, avec ce qui s'est passé au cours du quinquennat qui vient de s'achever. Le Parti socialiste a déçu les électeurs de 2012 qui ont voulu le sanctionner. Et d'ailleurs, je note que c'est très injuste, mais de toute façon, la politique est toujours injuste, parce que ce sont ceux qui surnagent là aussi bien, parce que ceux qui ont pris l'étiquette En Marche par opportunisme, ou ceux qui ont négocié pour ne pas avoir des candidats En Marche avec eux, contre eux, eh bien, ce sont ceux qui sont les principaux responsables de la dérive des 50 ans qui viennent de s'écouler.